Le e-constat, c'est un petit coup de jeune qui est donné au constat amiable version papier qui date de 1964. Alors cette application arrive le 1er décembre. Vous allez pouvoir la télécharger directement sur l'appli de votre assureur et vous allez pouvoir remplir votre déclaration sur votre portable. Principal avantage de ce e-constat, c'est bien sûr un gain de temps. Ça vous évite de chercher votre papier puisque le téléphone, en général, on l'a toujours sur la main. Ça vous évite surtout les risques d'erreur puisque vous aurez la possibilité, et ça, on vous le conseille, de remplir au préalable vos coordonnées, le numéro d'assurance, votre nom, prénom, adresse, etc. Vous pourrez dessiner le croquis directement sur votre téléphone ou, si vous ne vous sentez pas, vous pouvez même dessiner le croquis sur un papier et prendre la photo et le télécharger directement et l'envoyer à votre assureur. Alors le gros avantage du e-constat, c'est que vous pouvez prendre en photo directement le sinistre et vous pouvez l'envoyer donc très vite, à l'instant T, à votre assureur, tout comme les coordonnées des éventuels témoins. Les principaux inconvénients de cette application, ça ne concerne que les dommages matériels. Cela concerne seulement un ou deux véhicules motorisés maximum. Cela suppose également qu'ils soient immatriculés en France. Il faut également du réseau. Alors bien sûr, je l'ai testé. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. On se sent plus détendu parce que c'est quelque chose, le portable, bon, qui est maintenant, tout le monde en a un, on est tranquille, c'est pas comme rechercher sa version papier. Le seul problème, le seul petit souci, c'est que remplir, malgré tout, aussi bien faire un croquis sur une version papier, c'était compliqué. Ça me semble toujours un petit peu compliqué d'écrire sur un écran. Mais autrement, c'est beaucoup plus rapide, c'est certain. Bon, alors ne rêvez pas, on n'ira pas jusqu'à dire que vous serez indemnisé plus vite. En tous les cas, il y a moins risque d'erreur et c'est surtout que la gestion du sinistre sera certainement gérée beaucoup plus rapidement.